Je m'appelle Géraldine et oui, j'ai un surnom, même plusieurs. Le plus commun, c'est GG, JJ, J et même Gigi. Je suis arrivée chez Nutricet en octobre 2018 et je suis en charge du développement d'une nouvelle activité chez Nutricet qui est autour de la thématique du diabète. Donc, je suis ingénieure agronome, diplômée de l'AgroParisTech avec une spécialité en économie, gestion et marketing. Avant de rejoindre Nutricet, j'ai travaillé dans plusieurs secteurs d'activité, donc dans l'agroalimentaire et dans le domaine de l'énergie, sur des postes marketing et commerciaux. Et entre deux, j'ai eu une expérience en entrepreneuriat, alors dans deux domaines différents, dans le domaine du champagne et des vins, et dans le design et le parfum d'intérieur. Pourquoi j'ai rejoint Nutricet? Pour deux raisons. J'ai eu envie de rejoindre Nutricet par rapport à l'engagement de l'entreprise et la recherche de solutions à impact pour traiter et prévenir la malnutrition. Et l'autre raison, c'est parce qu'il y avait une offre d'emploi sur le projet diabète. Et la thématique m'a beaucoup intéressée, même à titre personnel, sur l'équilibre alimentaire, le sucre et tout ça. Et donc j'ai eu vraiment envie de pouvoir contribuer au développement de ce projet. Alors, en quoi consiste mon métier? Donc, mon métier, c'est de faire avancer le projet, donc transformer l'idée en mise en œuvre des solutions. Donc, c'est trouver les bons partenaires, trouver le bon modèle, solliciter les différentes expertises du groupe pour mener à bien les objectifs et puis trouver justement ces nouveaux relais de croissance pour l'entreprise, tout en ayant des solutions qui auront un impact sur la prévention et l'accompagnement du diabète. Alors, ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est quand le projet devient de plus en plus opérationnel, que les choses deviennent concrètes. Et c'est justement quand ça devient concret, souvent on fait face à des points de blocage. C'est quand on se met tous autour de la table, qu'on travaille en équipe pour trouver des solutions et que derrière on a des résultats concrets. Et ça c'est motivant. Alors, ce que j'aime le moins faire, je pense que j'ai beaucoup fatigué mes collègues avec ça, c'est rester assise sur une chaise pendant une heure, deux heures devant un tableau Excel. Du coup, je suis obligée de me lever parce que ma tête va exploser. Alors, mon meilleur souvenir chez Nutricet, décembre 2019, le Noël d'Onyx. Donc, ça faisait un an que j'étais arrivée dans l'entreprise et on m'a dit, il y a le Noël d'Onyx. On m'a dit, tu vas voir, c'est super, il y a une super ambiance. J'ai pas été déçue, franchement, ça a été vraiment une belle soirée, de la musique, une bonne ambiance. En dehors de mon travail, j'aime bien passer du temps dehors déjà. Du temps avec ma famille, mes amis, faire des tours de capla avec mes enfants, jouer de la musique et faire de la danse aussi. Mangez équilibré, n'oubliez pas de bouger et toutes les heures, levez-vous de votre chaise. C'est vraiment bon pour le corps et l'esprit. À checker. Cassoulet, non, pas trop. Non, alors le yoga, non. Salsa en diablé, alors. Faut que ça bouge. Très bonne question. Franchement, en tant que chef de projet diabète, je devrais pas dire ça, mais je vais le dire, sucre, et de loin. Mais bon, à consommer avec toute modération quand même. À samedi, plutôt journée shopping, activité en famille le dimanche. Parce que les magasins sont fermés.